Yeah!
think of your beauty. Joyeuse fête du Québec tout le monde et Eid Moubarak en retard. Mais premièrement, je voulais vous expliquer les symboles sur le drapeau du Québec parce que c'est important pour tous de le savoir aussi. Okay. Premièrement, nous avons la croix blanche. Mais avant, la religion la plus pratiquée au Québec c'était le catholicisme. Donc elle représente la religion avant. Et nous avons le fond bleu. Le fond bleu, comme la religion était très importante avant aussi, il représente la robe de la Vierge Marie. Mais comme maintenant c'est un peu moins pratiqué la religion, il représente plutôt la paix. La couleur bleue représente la paix. Et nous avons aussi les fleurs de lys, le plus important. Ça nous vient de quand Jacques Cartier est venu coloniser. Ils ont mis les fleurs de lys, ils représentent la France. C'était l'emblème de la France. Merci. La deuxième partie de l'exposition aujourd'hui, c'était de parler de quelques personnages. Certains sont dans l'héritage du Québec, qui sont déjà décédés. D'autres, ils sont toujours vivants, qu'on appelle les héros. Les héros du Québec. J'en ai choisi quelques-uns pour l'exposition. On a Kim Nguyen, on a Léa Poul, on a Louise Otis, Madeleine Parent et Jeanne Mance. Par rapport à Kim Nguyen, c'est une personne qui est née au Québec, toujours vivante, d'origine vietnamienne. Il a étudié à l'Université Concordia en cinématographie et il a fait sa maîtrise à l'Université de Montréal. Il est vraiment compétent dans son métier et a reçu plusieurs récompenses. Il a reçu des nominations. Les plus connues, c'est l'Oscar en 2013, le meilleur film en langue étrangère. Puis on a en 2016, il a eu la 15e place des réalisations en France. La deuxième personne, c'est Léa Poul. C'est quelqu'un qui est né à Genève. Certaines des personnes que je suis en train de mentionner, j'ai leurs photos sur mes poteaux. C'est aussi une réalisatrice et scénariste, monteuse et productrice canado-suisse. Elle a reçu aussi plusieurs nominations et récompenses. Et elle a été, elle a donné une formation au Centre des Arts intitulée Women in Director Chair. La prochaine, c'est Louise Otis. C'est une ancienne juge du cours d'appel du Québec. Elle est représentante du tribunal administratif de l'OCDE et du tribunal d'appel de l'OIF. Elle est également membre du tribunal administratif et officière de l'Ordre national du Québec depuis 2003. On a aussi Madeleine Parent, qui est décédée. C'est une syndicate et féministe québécoise. Elle est née le 23 juin 1918.
2018. Elle a été très militante, surtout à l'époque où elle était née, c'était quelque chose de pas très connu, c'est pour ça qu'elle est une des héroïnes. Elle a eu un hommage de la CSN, le prix de la Saint-Jean, puis dernièrement, à son honneur, il y a eu un parc dans l'arrondissement sud-ouest à Montréal qui a été inauguré le 17 septembre 2016. Et la dernière personne qui je vais présenter, c'est Jeanne Mance. Sûrement vous l'avez étudiée à l'école parce que c'est quelqu'un de très connu. Elle était née le 12 novembre 1606, puis elle est morte le 16 juin 1673. Elle a aidé à l'Église catholique et elle a été très reconnue comme vénérable. En plus, elle était une des fondatrices et administratrices de l'Hôtel Dieu de Montréal. Puis c'est elle qui cherchait des fonds des personnes les plus riches de la France pour fonder cet hôpital aujourd'hui. Sinon, merci beaucoup pour votre venue. Puis j'espère que vous avez aimé la journée.